soir. Et puis, il était dans un groupe aussi avec des copains. C'était une star. Et alors, pourquoi c'est comme ça? Il faut que je finisse d'étendre le linge de Madame McLean. Tu dessines quoi? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Papa! Ah, oh, tu nous as fait peur! Bien, ouais. Moi, j'ai pas eu peur! Ouais, bien sûr! Hé, hey, t'as reconnu la voix? Ouais, c'est toi! C'est moi! Tu es déjà rentré à la maison, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, j'avais envie de rentrer, j'ai un pote au boulot qui pointe à ma place. Et c'est la seconde fois ce mois-ci. J'aime que les nuits commencent tôt. T'inquiète pas, s'il te plaît, allez! Tu viens danser avec moi? Eddie, j'ai oublié comment mais danser. Mais non, voyons. Ta main. Comme ça. Ça te revient? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je l'adore. Ah, tu l'adores? Oui. Tu sais à qui tu ressembles? Oui, à Tony Bennett. Tony Bennett. Je suis bien d'accord avec toi. Ça te plairait, hein? Joyeux anniversaire. Merci. Hey. Je connais celle-là. On s'en sort bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne t'ai pas fait venir d'Angleterre pour vivre comme ça, tu sais. Je suis venue pour toi, Edwin Boyd. On n'est pas les seuls à se battre un peu. On y va? Joyeux anniversaire! Voilà! Wow! Quelle joyeux anniversaire. Surprise! Je dois faire quoi? Tu dois faire un vœu. Faire un vœu? Un vœu, okay. Ouais, chouette! Un, deux, aide-moi, trois. Alors, c'est quoi ton vœu? Non, sinon il ne va pas marcher. Il va pas marcher. Oui, c'est vrai. Tu peux lui donner, vas-y. C'est pour moi? C'est quand on était au lac. Ouais. Oh, Billy, c'est magnifique. C'est quoi? Ça, c'est le tunnel. Et ça, c'est papa qui est debout sur sa tête. C'est ça. C'est bon. Tu peux y aller. Ça te plaît? C'est beaucoup trop cher. Ah, c'est les enfants. Moi, j'y suis pour rien. Oh, si, ma chérie, mais on va le rendre parce qu'il est trop beau. Non. Hé, on ne va pas le rendre. Je l'ai eu à crédit. Ne t'inquiète de rien. À crédit? Essaye-le. Mais oui, essaye-le. S'il te plaît. Au moins ce soir. Voilà, c'est bien. C'est magnifique. Tada! C'est très belle, maman. Le rose, c'est bien. Sauf que maintenant, je vais l'enlever quand même parce que je ne veux pas mettre du gâteau d'anniversaire dessus. Mais je l'adore. Attends, il reste encore un autre cadeau. C'est vrai? Je suis trop gâtée. Oh, c'est toi qui l'as fait? Et toi aussi? On l'a fait à deux. Ça, c'est quand ton père jouait le comte de Monte Cristo. Comment ça va? Je me sens un peu gêné de vous demander ça, mais c'est... Non, non, c'est rien. On se fait ça à la militaire? Ok. Ok. Allez.
3. Ok. Vous allez où? Jusqu'à Moore Street. D'accord. Ça vous est arrivé? Dieppe. Merci bien. C'est rien. Est-ce que vous auriez une cigarette? Oh. Oui. Tenez. Du feu? Ouais. C'est gentil. Je ferais mieux d'y aller. Monsieur et Madame Cuillère en or? Bien, d'autant plus que leur maison ne risque pas d'être saisie par la banque. Ça y est, je crois que je sais. Très bien, tant mieux. Tu me donnes la réplique alors? Ok, je sortais. Je viens prendre un objet. Vous partez? Je peux vous aider? Oui. Bonjour, madame. Ah, merci. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Green, s'il vous plaît. Oh, je suis désolée, il n'est plus là. Oh. Vous êtes comédien? Oui. Enfin, non, pas encore. Et je voudrais en parler à monsieur Green, justement. Je voudrais bien arrêter de faire de la figuration. Oh oui. Votre nom? Edwin Alonzo Boyd. Alonzo? Oui, Alonzo. A-L-O-N-Z-O. Z-O. Des pièces ou des spectacles? Où il aurait pu vous voir? Oh, non, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, donc non. Oh. Oui, je suis professeur de jiu-jitsu. C'est un art martial. Oh, vous êtes un athlète? Oui. Et je chante. Je joue un peu d'harmonica. Oh, musicien. Oui. Oui, mais je suis pas sûr d'être fait pour les comédies musicales. Oui, je comprends très bien. Bon, alors, la première leçon est à 45 dollars. Remplissez ce formulaire et ramenez-le avec un chèque. Attendez, je veux pas prendre de cours. Je vais être clair, je suis père de famille, je n'ai pas le temps de... Bon. Monsieur Green et moi, nous avons pas mal discuté. Il était dans mon bus et on s'est confiés tous les deux. Il m'a donné sa carte. Oh, monsieur Boyd, je suis vraiment désolée. Il revient bientôt, ce serait mieux que je lui parle directement. Non, non. Monsieur Green est à Los Angeles, en tournage. Blond, beau. Je suis désolée. Il en a l'air. Attends. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore. Il est piètre. Pardon. Glover, je suis contente de te voir. Oh,
Il ne fallait pas apporter tout ça. Je ne veux pas que mes petits-enfants manquent de quoi que ce soit. En plus, il y en a trop pour moi. Il est là? Oui, il se repose. Mais je peux le réveiller. Mais il est 3 heures. Il est très fatigué. Il paraît que ça s'appelle une espèce de fatigue chronique. Il a été paresseux toute sa vie. La seule chose qu'il ait jamais réussi, c'est à te convaincre de l'épouser. Mais je me demande comment il a fait. Il a dû te raconter des salades. Tu ne le penses pas. Viens, je vais t'inviter. Je suis sûre qu'il sera heureux de te voir. Non, mais j'ai des choses à faire. Amène-le à l'église. Il doit retrouver le droit chemin. Elle a rien de bien entré. Pardon, je n'ai pas entendu ce que tu dis. Ça n'a rien d'une plaisanterie. Remplissez-le vite. Si vous êtes assez rapide, je ne me servirai pas de ça. Silencieux et rapide. Allez, on se grouille. On se grouille, on se grouille, on se grouille. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pour vous, ces gens, hein? Je savais pas que t'étais là. Tu vois. Tu veux me dire ce qui t'amuse? Eddie. Je suis passé chez un traiteur. Si tu as faim, sers-toi. Où est-ce que t'as trouvé l'argent pour tout ça? J'ai décroché un rôle. Tu as un rôle dans un film? Non, non, c'est pas un film, mais c'est un rôle. J'ai une surprise pour toi, main sur les yeux. Je veux que tu m'expliques. Allez, dis-moi tout. Comment t'as fait? Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas me le dire? Non, je ne veux pas te le dire. Pourquoi? C'est une surprise, main sur les yeux. L'autre main. Quoi? Ok, bien.
C'est une pièce de théâtre? Non, c'est un petit spectacle de rien du tout. C'est rien d'important. Allez, viens là. Tu vois rien? T'es sûr que tu vois rien? Non, je vois rien. Alors c'est bien. Attention à la marche. Avance. Avance. Ne me laisse pas tomber. Reste là, reste là. Et triche pas. Tu peux regarder. Hein? Et je l'ai super bien négocié. Eddie, est-ce que tu es malade? À toi de me le dire. Elle est magnifique, mais... ils t'ont payé d'avance? T'en fais pas, viens jeter un œil. Eddie, jure-le-moi. Je te le jure. Je te le jure, ma chérie. Oh, mon Dieu. Bon. Tu es fou. J'adore quand tu souris. Oh mon Dieu. Tu peux arrêter de travailler maintenant. Tu plaisantes? J'en ai l'air. On va le recouvrir. Je me vengerai. Tu ne m'attraperas pas? Bien sûr que je pourrais. Il court trop vite. Mais je le ferai pas. Je l'ai dit à ton père. Oh, Dorine, pourquoi t'as fait ça? Arrête de bouger, papa. Désolé, désolé. Je voulais lui dire toutes ces bonnes nouvelles. Fallait qu'il le sache. Ok. Pourquoi tu ne nous parles jamais de ton nouveau travail? Quoi, comment ça? Je ne connais même pas le nom de tes nouveaux collègues. Pourquoi tu ne nous laisses pas venir te voir? Je t'ai dit que j'avais vraiment un petit rôle. Tu sais, Dorine, je peux pas emmener n'importe qui aux séances. Emmener n'importe qui? Bah, d'une certaine manière, je veux dire... Hé hey enfin, désolé. Couvre ses jambes, Caroline. Il n'ira nulle part. Oh. Moi, je crois que tu le fais exprès. Ah, et pourquoi je fais ça? Je sais pas. Peut-être bien que tu veux leur cacher que tu es mariée. Dorine, la belle beauté de Grande-Bretagne, Thompson. Attends, Miss Brighton. Ah, et ma femme. Tu t'inquiètes pour moi, hein? T'as vraiment pas de raison. Non. T'as vraiment pas de raison. Promis? C'est promis, oui. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens quand? Qu'est-ce que ça te fait de... de jouer? Ça me fait... l'effet d'être en vie. Pourquoi je t'ai jamais vu sourire comme ça? Mademoiselle, je vous salue. Comment ça va? Oh non, 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 non. Par ici que je vous vois, et vous aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Faites-moi le plein. Le plein, le plein, le plein, le plein. Je vous en prie, aidez-la. Très bien. Monnaie, 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 monnaie. Allons, allons, allons. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mesdemoiselles. Dans une nouvelle ère. 1950, année faste. Paisible Toronto, rien n'est moins sûr. La sérénité tranquille de notre belle cité a été bouleversée par le forfait d'un criminel masqué. Au huitième de ces cambriolages odieux, toute la ville redoute une nouvelle attaque à main armée. Mais l'espoir est à l'horizon. Notre maire, Monsieur Lomport, a dépêché un Sherlock Holmes local à ses trousses. L'inspecteur David Reese, un militaire plusieurs fois décoré.
Parviendra-t-il à découvrir l'homme qui se cache derrière le maquillage? Il a frappé à nouveau. La police est convaincue que ce hold-up audacieux est signé par le même. Les jeunes gens sont rassemblés devant la banque et prennent des photographies. C'est le retour des journalistes. C'est un fait unique dans l'histoire de Toronto. Les autorités avouent n'avoir jamais constaté semblable phénomène. La banque n'a pas encore communiqué le montant de l'argent dérobé. Monsieur le maire va tenir une conférence de presse dans les locaux de l'hôtel de ville d'ici. Une audace jamais vue. T'es rentré tout? C'est pas mon maquillage que tu mets. Eddie, pourquoi tu mets mon maquillage? Assieds-toi et laisse-moi t'expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe, Eddie? Je voudrais comprendre. Est-ce que tu veux me dire pourquoi tu te maquilles? On avait besoin d'argent. Maman! Faut pas rentrer, Billy! Maman, là où tu l'as laissé, sur la table de la cuisine. Hé, hey, tout va bien. C'est rien. Oh, Eddie. Oh, Seigneur. Regarde. Quoi? On n'a plus besoin de s'inquiéter maintenant. Est-ce que tu as seulement pensé aux enfants? J'ai pas arrêté de penser aux enfants. S'il t'arrivait quelque chose, Eddie. Il n'arrivera rien. Eddie. Écoute-moi. Encore une ou deux fois et j'arrête. C'est bon. On aura tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut? Oui, oui, on en aura assez. On pourra tout recommencer. Une vie nouvelle, au soleil, ce sera pas énorme. Tu imagines ça? Hein? Des arbres qui donnent des fruits dans ton jardin toute l'année, tu imagines ça? Imagine qu'on est à deux doigts de se l'offrir, cette vie-là. Et comment tu expliques ça? C'est du maquillage. Pourquoi faire? Me déguiser. Tu te déguises, mais... Tu faisais quoi pendant que tu nous disais que tu faisais l'acteur? J'allais au cinéma où je faisais du footing. Et quand est-ce que t'as fait ça? Quand est-ce que c'était? Quand tu es parti faire des courses. Il paraît que vous êtes dingue. Je ne suis pas dingue. C'est le monde qui est dingue. Moi, je ne suis que son miroir. Votre banque devrait partager un peu de ses profits. Pardon, mesdames. Partagez avec votre client, il le mérite. Sinon quoi? Sinon, vous allez me revoir. C'est un souvenir. Il y a des souvenirs qu'il ne faudrait pas ressortir. Comment tu t'appelles? Vous êtes un flic, non? Vous finirez bien par trouver. D'accord. Tu sais que t'as fait plaisir à ma femme. C'est une fan? Non. Mais je vais rentrer tôt pour une fois. Thank you.
Monsieur Boyd? Monsieur Boyd? Une pour le Daily Star. On fera la première page. Excusez-moi, excusez-moi. Merci. Une seconde. Attendez, attendez, attendez. Ok, je suis prêt. Vous pourriez vous approcher, monsieur Boyd? T'en prends une. J'ai parlé à vos voisins. Ils disent que vous êtes un bon père de famille. Travailleur, ancien combattant et décoré. Qu'est-ce qui a mal tourné? Elle est bonne. Ça a mal tourné dès le départ. Vous lisez pas vos journaux, les mecs? La vie est courte, il était temps de commencer à vivre. Alors je l'ai fait. Vous avez entendu ce qu'il y a d'une suite, directeur? Deux ou trois photos et dehors. Ouais, c'est fini. Et alors vous pensez quoi maintenant? Vous regrettez? Si je regrette? Je regrette que les flics aient pris tout mon pognon, j'avais bossé pour ça. Un mot à dire à nos lecteurs en particulier? Trouvez un boulot que vous aimez. Bienvenue, monsieur. On y va, allez. J'ai dû les retirer de l'école, j'ai personne pour s'en occuper. Je devais faire quoi? J'ai vu ce que t'as dit dans les journaux, comment t'as pu? Et vous, ça va les enfants? Tout se passe bien? Les autres enfants disent qu'ils n'ont plus le droit de jouer avec nous. Tu reviens quand, papa? J'en sais rien, Viston. Je cherche un bon avocat, j'en ai parlé à ton père et... Non, non, j'ai pas besoin de lui. Il a dit qu'il voulait nous prêter un peu d'argent. Ah oui, avec quoi? Sa retraite de la police. Où est-ce qu'il va trouver le blé? Dorine, je veux pas de ses leçons, ok? On a besoin de lui, Eddie. Tout ce qu'on avait a été saisi et... Je ne peux même pas retourner à mon ancien boulot parce qu'on se méfie de nous. Et... T'apprends du feu, s'il te plaît. Ouais. Hey, Caïd. Me tourne pas le dos. Oh. Tu te crois où, toi? Ah oh. Où tu vas? Que ça, Dogs. Ouais. Non, rentre à ta niche tout de suite. Putain, c'était un bon combat, c'était un bon combat. Je te fasse rentrer, hein. Qu'est-ce que tu viens faire chier? Casse-toi, casse-toi, Dogs. Rentre à la niche, clébard. Dégage. Ne fais pas ça. Mais je te bats ton cul, clébard. Je m'en vais quand je veux, ok? Fais ce que je te dis. T'es chez moi. Pourquoi c'est toujours toi qui cherches, Willy? Hein? Excusez, Lily, mais merci, hein. Thank you.
Ça va, Lenny? Ça gaz, Fred. Ça, c'est pour Willy. Écoute-moi, je voudrais simplement qu'il... Non. Attends, t'as pas de... Je voudrais simplement qu'il... Ouais, si, je t'assure. Je ne demande pas grand-chose en même temps. Il paraît que tu te servais d'un Luger. C'est vrai, ça? Je veux simplement une protection de sa part. Arrête. Tu vois, moi, je préfère les mitrailleuses. C'est efficace et précis. Ça fout la trouille à plein de monde. T'as bien compris que t'étais pas le seul à aimer les banques dans cette tôle. Il fait des premières pages aussi. Il s'appelle Lenny Jackson, le carré. Et ce vice-lard mal coiffé, c'est Willy Jackson, le clown. Rien à voir, le ciel soit loué. On n'est même pas cousins. Pareil que tu as servi. Oui, en effet. Moi aussi. J'ai passé près de 5 ans là-bas. Et pendant tout ce temps, pas une égratignure, pas une marque. Tu vois? Je suis rentré au pays en un morceau. Et puis un jour, j'ai traversé une voie ferrée. Un putain de train. C'est marrant quand même. J'ai couru entre les bombes là-bas et ici, un putain. T'as des gosses, je crois. J'en ai un en route. Sa nana est mannequin. Elle est vraiment très jolie. Montre-lui une photo. Willy, s'il te plaît, la ferme. Hé, je t'ai déjà dit que je t'autorisais pas à en parler. Je t'autorise même pas à penser à elle. C'est clair? Je disais ça comme ça. Elle est très chouette. Je vais te dire un truc, mon pote. Tu vois... J'ai pas filé 5 années de ma vie à la nation pour moisir dans ce trou, ok? Un homme doit rester maître de son destin, non? Lenny et moi, on a déjà coupé une barre. Ça se coupe comme du beurre, c'est du métal russe. Et c'est soudé avec du savon et de la poussière. Alors, Playboy, t'en dis quoi? Tu veux te faire la belle? Quelle est cette voiture? Ben allez, dis-le-moi. C'est à ta petite copine. Je pensais que les Polonaises étaient pauvres. Ses parents lui ont offert. Les Polonaises ont des familles aussi. Ouais. Eh bien, oublie la Pologne. Ok, on y va. Mary, il faut pas que tu restes là. Il y a une station taxi là-bas ou quoi? Ouais, c'est terrible. Oh non, je m'en veux, mais il faut que tu ailles. Pourquoi je peux pas venir? Parce que Lenny va m'égorger si je suis sorti avec sa petite soeur, putain! Dépêche-toi, je veux y aller! Va chier, connard! Je te rappelle, dès que je peux! Où est-ce qu'il est? J'en sais foutre rien! Il faut qu'on se rende, on peut pas attendre, il faut qu'on se casse! Il faut qu'on se casse maintenant! Allez!
mal. Désolé, Lenny, je suis désolé. Salut, je m'appelle Val Kozak. Regarde la route, t'es con. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Connard. Non, 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 tout va bien, je t'assure. Je suis contente maintenant. Une bière ? Oui, tout va très bien, je te promets. Tu peux rêver. Je t'adore, mon amour. Tu es mon soleil, les étoiles et bien plus encore. Hey ! Non, reste là ce soir et viens demain. Oui, on aura notre chambre, tout sera parfait. Oh, tu me connais pas, tu me connais pas. C'est vrai. Merci, ma petite sœur. Et puis quoi? On va quand même pas rester là toute la nuit à rien faire, les gars. Les autorités de la prison... Ah, c'est dans sa tête. La ferme. Boyd. Edwin Boyd, le fameux gangster, est désormais accompagné de Leonard Jackson. C'est rien, c'est rien. Je dois y aller. Le gang Boyd. Lenny, c'est rien. C'est quoi, c'est comme rien. S'il te plaît, Lenny, laisse tomber. C'est normal, il fait des premières pages, il fait des premières... Ferme ta grande gueule, ferme. Hé, Lenny, du calme. Attends, Lenny, Lenny, on sait tous que c'est grâce à toi qu'on est sortis. On sait que c'est à toi qu'on voit. Éteins-moi cette merde. Éteins cette radio. Éteins-moi cette radio. Juste nous comme ça, Lenny. Oh, si tu veux qu'on se sépare maintenant, j'en ai rien à foutre. Ok, on se sépare. Hé, hé, hé. J'ai fait assez de banque tout seul pour comprendre que j'ai perdu beaucoup de pognon. Et tu l'as compris que moi, j'en suis certain. Écoute, regarde-moi. Et là, t'as une chance de dire un truc comme... Demain, on s'en fait une. Demain? Il veut s'en faire une demain? Demain, c'est ouais. Vraiment malin, ça. J'en connais une. J'y suis déjà allé. C'est un petit coup facile. Il dit qu'on doit y aller. Il dit qu'on doit y aller. Il dit qu'on doit y aller. Non, on peut pas faire ça. Comment on fait pour les flingues, hein? Où est-ce qu'on trouve les flingues? On va en Allez, trouver. On va trouver des flingues. On va trouver des flingues. On va trouver des flingues. Et ce soir, on va se marrer. Hé, Val, joue un truc qui bouge. Un truc qui bouge. Qui bouge et qui bouge. Il te manque une case à toi, non? All right. Tu peux pas fermer ta gueule quand je te dis de fermer ta gueule. Hein? On est dehors. I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. But baby, I'm howling for you. Mesdames et messieurs, c'est hold up. En l'air. There's something wrong. Par ici, la monnaie. Allez. Remplis ça. Dépêche. Vous savez, les filles parlent de vous. Ah ouais, elles disent quoi? Je se demande comment vous êtes. Mets-toi. Ah, t'es pénible. Bonjour, bonjour. Ça gaze, l'idée. Quand on a su que t'étais sorti, on était contente. Et tu es une bite. C'est si bon d'être dehors. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Bouge. On y va. Oui, fonce dans cette putain de voiture! Au revoir, chérie! Casse-toi! Qu'est-ce que tu as à dire, ce connard? Roule. Ah, c'est si sable et incroyable! Sont les deux mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle du dernier cambriolage du gang Boyd de ce matin. Boyd, je sais pas ce que tu veux prouver, mais tu vas y aller en douceur. J'ai rien à prouver, maman pote. Je fais juste ce que j'ai à faire. Ok? Hé, hey, c'est ça. T'as déjà vu autant de liquide? Bon, on y va? On y va. Hein? Vite! Conduis!
tu es splendide. Je t'aime. Je sais très bien où tu vas. T'es paranoïaque. Non. Tu vas pas prendre ma voiture. J'y serai rentré dans quelques jours, ça va. Je te le promets. Non. Il faut encore retrouver cette traînée, je le sais. Non. Il est parti. Qui sont ces personnes, Eddie? Des copains, ils sont cool. Et si quelqu'un appelait la police? Personne ne va appeler la police, tout va bien. Lenny connaît le gars et il paie une fortune. Essaie de te détendre. Tu te souviens de cette chanson? On dansait ça quand il a joué au piano. Je me souviens de toutes nos passes. De ta manière de me sourire. Au mess hall, au milieu de tous ces gens, on était bien. Notre premier après-midi à deux. Tu te souviens? Le lendemain, on n'a pas bougé du lit. Embrasser vendredi, marier le jeudi suivant. Approche. Oh, Eddie. On s'en va. Je veux m'en aller d'ici. On reste ici. On va devoir fonctionner différemment maintenant, tu dois l'accepter. À plusieurs, on peut se faire de meilleures banques. Plein de banques. Encore deux ou trois boulots et tout va changer pour nous. J'ai peur, Eddie. J'ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour nous. Tu viens de sortir de prison. Je suis dehors maintenant. Et je vais bien. C'est pour ça que j'aimerais que tu ne doutes pas de moi et que tu arrêtes d'appeler mon compteur. Je m'occupe de tout ça. Il serait temps de me faire confiance. Tu penses aux enfants? Down went the gunner, a bullet was his fate. Manhattan, mademoiselle. Down went the gunner, ah, oh, je vous en prie, chère madame. Up jumped the pilot, boys in love, and manned the gun himself as he laid aside the book, shouting, praise the Lord, and pass the ammunition, praise. Et me battre, faire comme vous, être solidaire. Mettre cet uniforme, j'aurais dit que je voulais me battre pour mon pays. Mais j'avais des boutons partout sur mon visage, j'avais que 15 ans. C'était dur à cacher. Peut-être que c'est Dieu qui t'a filé de l'acné. Putain, si j'avais su qu'il te laissait pas y aller quand t'avais des boutons. C'est pas à cause de mes boutons. Si, moi, tu peux le bouton. Venez, on va pas à la guerre. Oh, c'est toi la guerre. Les gars. Une seconde, s'il vous plaît. Chut. Je suis tombé sur un truc que j'ai trouvé bien et j'ai envie de le lire. T'es prête? Vers mon bel amour, telle une flamme éternelle. Je m'avance à genoux et je m'y brûle les ailes. Ah, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Tu comprends ce que ça veut dire, je crois. Et je suis d'accord, Lenny. Tout le monde est invité au mariage! Minute, minute!
Minute. Où est-ce qu'on va organiser ça? À Montréal. Personne ne nous connaît à Montréal. À Montréal. Montréal, c'est romantique. Oui. Hey, allez, Annie et Anne. Santé. Santé. Soyez heureux, les mecs. Soyez heureux. Ouais. Allez, Annie et Anne. Tu m'aides pour la prochaine fournée? Oh ouais. Viens, mon grand. D'accord. Ça, là. Tu vois, fiston? Quoi? Quand ça arrive là, tu me préviens, ok? Ok. Bien. Alors, tu vois ce qu'elle fait? Elle les trempe bien dans l'eau et elle les chiffonne juste après. D'accord. Et t'oublie pas de garder un œil sur le sablier, hein? Ouais. Je prépare le petit déjeuner, vous voulez quoi? Omelette ou pancake? Des œufs brouillés comme maman elle fait. Et puis du café. Du café? Je sais pas trop. On verra, d'accord? Ouais. Eddie? C'est rien, tout va bien. Alors, les enfants, regardez attentivement par là. Prêt? Tu crois que je peux en faire deux d'un coup? Wouhou! Yo! Oh! Haha! Wow! Merde! Merde! Chier! Vas-y! Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que cela a influencé votre manière d'enquêter? Non, je traite ce dossier comme n'importe quelle autre enquête. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu autant d'articles de presse ou d'interviews de radio? Je crois qu'il y a beaucoup trop d'agitation et de bruit autour de cette affaire. On raconte qu'il pourrait être à Cuba en train de mener la grande vie. Vous en dites quoi? Pour l'instant, je n'ai aucune information, mais je peux vous assurer qu'on va retrouver Eddie Boyd et son gang. Vous venez d'entendre l'inspecteur Devitris. Alors, Eddie Boyd, héros populaire ou bandit ordinaire? J'ai toujours su que tu allais monter haut. T'as été mon meilleur élève, tu sais. Hein? Merci. Non. Comment va la famille? Le troisième est en route. Bien. C'est une bonne nouvelle, mais ce sera le dernier. Ça se présente pas bien. Il ne peut pas continuer. Il doit se livrer. Je ne sais pas où il est. On ne se parle jamais, on n'a aucune... Selon toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est passé où? Ça, j'en sais rien. Je sais même plus qui c'est. Mais... c'est toujours mon fils. Et... Bien.
Chérie, viens manger. Willy, arrête maintenant, c'est clair? Ils n'ont pas eu le temps au téléphone. C'est pas trop tôt. Ok, je suis prêt. Et? Elle a un petit garçon. Alors maintenant, on fait quoi? Allonge-toi par terre! Allonge-toi, Sunny! Bonjour tout le monde! Votre attention, s'il vous plaît! Salut! Comment allez-vous, mesdemoiselles? Tenez, faites-moi le plein. Accompagne ce mec et fais lui vider les coffres, vite! Dépêche-toi! Allez! Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle! Nous sommes. Le Gang Boyle! Merci de vouloir vous réunir. Au centre de la pièce, au centre! Monsieur! Merci. Putain de merde, qu'est-ce que tu fous, Eddie? On se dépêche. Arrête-toi. Gentil à vous. Tu vas te manier, bordel! Allez! Classe spéciale. Encore une attaque spectaculaire aux Boyle dans le plus grand cambriolage de l'histoire de notre pays. C'est déjà à la radio! J'ai ramené un petit cadeau. Ça devrait être... On file à Montréal et on va vous marier. Attends. Je dois vous bénir avant ce voyage. Tu viens pas? Non. Dorine veut que je reste, alors je reste. Notre père qui n'est pas aux cieux, que votre nom soit fructifié. Que votre règne chavire et que votre volonté soit défaite. Merci, révérend Boyd, mais tu sais quoi? Tu viens avec nous. On t'embarque à Montréal. Dans la voiture, Valette. Monte. Montréal. Qu'est-ce que tu fais? On faisait comme ça à la maison pendant la guerre. Si quelqu'un veut entrer, il peut pas. T'installer comme un petit bourgeois. Putain. Tout ça parce que cette pute s'est fait mettre enceinte. Oh mon Dieu. Le plus heureux là-dedans, c'est sûrement ton père. J'aurais jamais dû te dire que je pouvais pas. Chut, tu sais que ça n'a rien à voir. J'ai jamais voulu te... Tu peux te casser parce que t'es qu'un lèche-cul qui a pas de couilles. Tu comprends ça? Va chier.
Corinne, c'est moi. Raccroche pas, s'il te plaît, raccroche pas. Écoute, j'ai pas pu faire autrement. Ces mecs comptent sur moi. Comme ta famille. Dorine, dès que je reviens, on déménagera dans une jolie maison, avec un jardin gigantesque. J'ai demandé à Mary de nous trouver ça. Je voulais pas te le dire pour vous faire la surprise. Eddie, tu te rappelles de Londres? Ma chambre? Tu te souviens de ce que tu me disais quand j'arrivais pas à dormir? Quand tu me serrais dans tes bras, tu te souviens pas? Ça bombardait de partout et avec toi, je n'avais pas peur. Ça, ce sont des souvenirs qui font du bien. Tes rêves sont devenus mes rêves. J'avais confiance en toi. Notre vie ne ressemble pas à ce que tu racontais. Mary Mitchell. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Dans la rue, on ne peut plus faire un pas sans voir votre visage. Dans tous les journaux, en première page. Ça fait quel effet? Vous n'êtes pas venu pour parler de moi, non? Et voilà. Juste comme tu l'aimes. Je suis sûre que les écoles sont très bien dans le quartier. Faudra penser à les inscrire. Et si on rappelait tous nos vieux amis et qu'on organisait une grande soirée, on ne les a plus croisés depuis tellement longtemps. Ils vont adorer cette maison. Arrête ton sketch, Dorine. J'arrête mon sketch. Oui, s'il te plaît, arrête. Excuse-moi si je n'ai pas envie de bondir de joie, Eddie. Cette maison n'a rien de génial et moi je suis malheureuse parce que toute notre vie est nulle à chier. Et quoi, j'ai pas le droit de parler comme tes copines? Me regarde pas comme ça. T'en veux plus? Ton père m'avait bien prévenu de la vie que t'allais me faire mener. Il m'a mise en garde et je n'ai pas voulu le croire. Quand j'entends, je réalise que t'es toujours qu'une pauvre fille de ferme et une médiocre. Je vais m'en aller, Eddie. Tu veux me quitter? Je prends les enfants et je m'en vais. Mais bien sûr, vas-y, c'est formidable. Putain, pour qui tu crois que je fais ça? C'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Je n'ai aucune envie de tout ça. Ah, tu veux pas, tu veux quoi? Tu veux continuer à n'avoir aucune vie? Hein? Tu veux pas de maison? Je la donne. Je la donne. Je voulais faire ton bonheur et je me suis trompé. Et tu me laisses? Je suis enceinte, Eddie. Quoi? Je suis enceinte. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est pas vrai. Attends. Viens. Parle-moi, parle-moi. Chérie. Qu'est-ce que je vais faire? On est deux. C'est bon. J'arrête tout. On va tous partir dès qu'on peut, je te jure. On part, toi, les enfants et moi, ensemble, comme une vraie famille. On se casse. On s'en va. On s'en va dès qu'on peut. On part. On part, on part, on part, on part. Thank you.
Allô? L'inspecteur Rhys m'a convoqué au poste. Il arrêtait pas de poser des questions sur toi. Où t'étais, si t'étais bien avec Boyd, mais j'ai répondu que je savais pas. J'ai dit que j'en avais rien à foutre de savoir où t'étais. Vu que t'as pas donné de nouvelles depuis que t'es sorti. C'est là qu'il a commencé à me faire du mal. Il m'a fait tellement de mal que j'ai été obligée de lui dire quelque chose pour qu'il s'arrête. Je lui ai dit que des mecs voulaient passer des cigarettes vers les États-Unis. Quel mec ? Et j'ai inventé l'histoire parce que je savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit pour la voiture. Quelle voiture ? C'est pour ça que tu peux plus y aller. Aller où ? À la maison. Rhys croit que le stock est planqué là. Quelle maison ? Mais j'ai pas parlé de toi, Val. Sois tranquille. Mary, quelle maison ? Celle de ta femme. Oh non, Mary, qu'est-ce que t'as dit ? Mais enfin, vous ne voyez pas ce que j'ai dû subir ! Val, regarde-moi ! Il m'a brûlé ! Il m'a brûlé ! Mais c'est rien, j'ai tout arrangé, Eleni. Tant que Val reste ici, il ne se passera rien. Ça va ? Amène-toi. Eleni, prends tes affaires. S'en prie, s'il te plaît, laisse-le-moi ! Écoute-moi ! Non, je t'en prie ! Je veux que vous restiez ici ! Je m'occupe de ça, maman, c'est clair. Eleni. S'il te plaît, Eleni ! Val, écoute-moi ! Non ! Val et moi, on va quitter la ville quelques semaines. Ouais, ce sera pas long. Fiona, tu veux me virer un peu d'argent ? Fiona, je te le demande. Je... Non, je peux pas maintenant. À la une et à la deux. Deux par deux, pour toi, c'est bien mieux. C'est bien mieux pour moi. En tout, on est trois. Tout seul, c'est moisi. À deux, c'est mieux. Mais à trois, c'est de la folie. Allez. On a dit en voiture pour faire un peu de camping. J'ai juste besoin de nous trouver une bonne voiture d'abord. Mary ne décroche pas. Alors on va rester ici? Ouais, pour l'instant. On va manquer de provisions, Eddie.
Billy! Le gangster bien connu Edwin Alonzo Boyd a été capturé le jour. La police a précisé à l'arrestation de Edwin Boyd. A fait vider notre quartier. Ils veulent nous faire comparaître tous les quatre. Et ils ont piqué le pied de Lenny aussi. C'est pas bon, hein. On fait quoi? Eddie. Ils vont tous nous tuer. C'est sûr. Ils vont tous nous tuer. On a fait ce qu'on devait faire. Je comprends pas. Val. Il faut que tu fasses quelque chose, Eddie. Il faut que tu nous sortes de là. On ne va pas rester assis là sans rien faire jusqu'à ce qu'ils viennent tous nous chercher pour nous mettre au bout d'une corde. On va trouver un moyen. Eddie. Moi, je dis qu'on va trouver un moyen de se barrer. Je veux voir mon gosse. Ça va, ça va, ça va. Il te traite bien ? Magnifique. T'es devenu célèbre. Et c'est pas vraiment comme tu l'espérais, hein. Pourquoi t'es en tenue? Je reviens de l'enterrement d'un collègue. Tu sais ce qu'on dit? Quand on est flic, c'est pour la vie. Je sais. Je suppose que t'es content maintenant. J'ai des raisons pour ça, d'après toi. Tu vas avoir besoin d'un sérieux coup de main si tu veux pas prendre le maximum. Tu sais, un père a le devoir d'aider son fils, n'est-ce pas? Tu aiderais ton garçon, toi aussi. Quel effet ça fait à tes enfants, cette histoire? J'ai toujours dit à ta mère que t'allais finir comme ça. Tu dois garder la foi. Ça roule. Hey, Willy. Ouais. Ils disent quoi dans Daily Mirror? Pour l'Inde? Non, pour la télévision. Ils disent que
Le pays va lancer une chaîne de télévision indépendante avec un certain Monsieur Green comme président. Quand ça ? Pas les costauds, allez, viens. Viens, appuie-toi. Fais chier. Faut y aller. Bonsoir. Je suis Lorne Green. Cette semaine, nos caméramen à travers le monde sont allés chercher l'actualité pour vous en témoigner. Et voici une sélection des images qu'ils ont tournées. Notre premier sujet... C'est l'histoire d'une chasse à l'homme. Elle commence à la prison de Dunjail. Lundi matin, le quartier général de la police à College Street a reçu l'appel du directeur de la prison et en quelques mots, il lui a raconté une histoire incroyable. Quatre hommes se sont échappés de la prison. Et ces hommes sont dangereux. Dans l'heure qui a suivi, 200 agents de police entamèrent la chasse à l'homme avec pour instruction officieuse de tirer à vue. Il y en a voir plus. Il y a mon pied là-dedans. Non, il y a rien là. C'est pas croyable quoi. C'est ton gars. Will, qu'est-ce que t'as foutu de mon pied? Merde. Le gang Boyd s'est échappé pour la deuxième fois de l'établissement pénitentiaire de Dunjail et a provoqué la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de notre pays. Les gardes sont interrogés par la police en ce moment même afin d'établir d'éventuelles complicités. Certains ont même été suspendus. Des signalements correspondants au Gang Boyd ont été rapportés partout dans le pays et la police est débordée. Les autorités ont fermé les frontières, empêchant ainsi les fugitifs de quitter le territoire national. Les banques, craignant d'être la cible du gang, ont recruté des vigiles et des agents supplémentaires. L'avis a été passé à toute la population. Ces gens sont très dangereux et deux d'entre eux ont déjà tué des policiers. Combien de temps on va attendre ce connard? Demain, il viendra. Lisez ça, et c'est tout. On est prêt? Mon très cher Eddie, est-ce vraiment trop te demander, compte tenu des circonstances, de bien vouloir te rendre? Ces derniers jours, j'ai vraiment réfléchi à ce qui nous arrive et... Comme tu sais à quel point je te suis dévouée, je vais t'attendre quelle que puisse être l'issue de ton épopée. Si Dieu veut, nous aurons le privilège de vieillir ensemble tous les deux. C'est là tout ce que je veux. Et n'oublie pas surtout que je n'aime que toi. Eddie, reviens. S'il te plaît, reviens, Eddie. Reviens, Eddie.
Et ceci met fin à cette émission très spéciale. Madame Doreen Boyd vient de quitter ce studio, escortée par les forces de police. Ses deux enfants lui ont été ramenés par des officiers tandis qu'elle traversait la forêt de reporters attendant... Attends-moi ce truc. Cette expérience radiophonique, unique en son genre, dont l'émotion était palpable... L'équipe de la voirie nous a signalé des individus suspects dans une ferme abandonnée. Pour le meurtre de l'inspecteur Rhys. Edwin Boyd et William Jackson, eux, n'ont pas été reconnus coupables de meurtre, mais ils purgeront une peine de prison à vie. Mais voilà. Hey, 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 monsieur, tout va recommencer. Vous avez de la famille. Vous avez un message pour le monsieur. Bouge-toi. Attendez. Incroyable. Doreen. Attendez. S'il vous plaît, monsieur Boyd. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien car il est mon seul soutien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Saint est le Seigneur, délivre-moi. Terminé, monsieur. Vous pouvez signer.
Tu es très jolie, quoi, fait comme ça. Je suis contente de te voir, Eddie. Moi aussi, Doreen. Et est-ce que je peux une minute? J'allais justement sortir. C'est Billy. Il est... C'est toi. C'est ton portrait craché. Et là, c'est Caroline. Elle est magnifique. Et là... C'est Robin. Comment ils vont? Ils vont bien? Très bien. Il y a un moment qu'ils ne m'écrivent plus, tu sais. Quand j'aurai emménagé dans l'Ouest, je leur téléphonerai pour voir comment ils vont. Je pourrais? Dans l'Ouest? Ouais, ils m'envoient dans l'Ouest, j'ai pas vraiment le choix. Dans les journaux, ils n'en parlaient pas. J'espérais que les enfants pourraient venir me voir. Et j'espérais que tu pourrais venir avec moi. Que je vienne avec toi. Je pensais pas te faire venir tout de suite. Doreen, je pensais pas tout de suite. Je te demande pas de faire tes bagages et de venir avec moi tout de suite. Je peux pas te demander ça. Hé, on prend un verre. On va trinquer à notre avenir. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai arrêté de boire. Tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué, Doreen. Si tu savais... Je suis avec quelqu'un maintenant, Eddie. Oui, je... Tu le sais. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas revenir ici et... J'aime la vie que je mène. Les choses vont bien pour moi maintenant. Tu te souviens de ce que tu as dit à la radio ce soir-là? Tu te souviens de ça? C'était il y a tellement longtemps. C'est ça qui m'a fait tenir. Il faut que tu t'en ailles. Ça ne va pas lui plaire de te voir ici. S'il te plaît, Doreen. J'ai encore des affaires à toi. Elles doivent être quelque part. C'est rien, Doreen, j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, je te dis que j'en ai, mais j'en suis même pas certaine, c'est si loin. Tu fais quoi, là? Tu dois t'en aller, Eddie. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est venu récupérer ses affaires, c'est tout. Il allait partir. Je suis venu parler à ma femme. Tu n'as plus de femme. Allez, c'est bon. Fous-moi le temps d'ici, allez! Allez! Dégage! Al!
Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous aider? Je voudrais faire un dépôt, s'il vous plaît. Merci infiniment de votre visite, chère madame. À bientôt, j'espère.